Oh là là, le retour de Marcus. En 25 ans, c'est de loin la soirée la plus barbante à laquelle j'ai assisté. Chaque fois que je me rends à l'une d'elles, je me demande « Mais qu'est-ce que je fais là, bon sang ?» Il a bien raison. Je déteste les cocktails. Ah, il a bien raison. C'est cloporte qui les fréquente. Ah, magnifique, magnifique. C'est l'occasion de rencontrer tous les gens qui apprécient votre travail. Blablabla, personne n'en a rien à fiche de l'art. Tout ce qui les intéresse, c'est combien d'argent on peut en tirer. Allez, prenons un verre. La folle ambiance de cette soirée m'a desséché la gorge. J'espère que ce sera un verre d'eau, parce que sinon je vais te péter la gueule. Ok, donc avec Marcus, on n'a rien, regardez, hein, c'est juste l'opinion publique, hein, donc on n'a pas dû découvrir son but encore. En fait, tous les trucs en haut, c'est à côté de l'opinion publique, c'est vraiment c'est les buts de chaque androïde, quoi. Pour l'instant, on n'a pas trouvé notre but avec ce perso. Donc là, il n'y a rien à faire, plus juste avancer, et à un moment donné, il y aura un choix, quoi. Ok. Bon, ça va, les choix redeviennent compréhensibles. Terrible. Un scotch sans glace, comme d'habitude? Absolument. Très bien, mais vous savez ce qu'en dit le médecin? Ouais, bah celui-là, il peut aller au diable. Je suis assez grand pour choisir mon propre traitement. Oula. Moi, je suis pas d'accord. Il mérite la mort. Tu avais laissé l'atelier allumé? Non, non, je suis sûr que non. Appelle la police. Police de Détroit, quelle est votre urgence? Ici l'androïde de Karl Manfred au 8941 avenue Lafayette. Nous venons de rentrer et la lumière est allumée. Il y a peut-être eu un cambriolage. On vous envoie un véhicule. Allons jeter un coup d'œil. C'est mieux d'attendre la police, non? Marcus, non, je viens avec toi. Oh! Comment ça, tu viens avec moi? Ah ouais, mais là... Ah, mais il est fou, quoi. Le problème, c'est que ouais, si je suis pas avec lui aussi, qu'il y a d'autres gens qui sont à l'étage, par exemple... Ah, il faut que j'emmène avec moi. Mais là, il est devant moi. Putain, mais quelle idée d'être handicapé, aussi. Léo! Évidemment, qu'est-ce c'est que lui. Tu fabriques? Tu refuses de m'aider, alors je me sers tout seul. C'est dingue ce que les gens peuvent payer pour ces merdes. Ne touche pas à ça. Écoute, je finirai par les avoir tôt ou tard, de toute façon. Considère ça comme une avance sur mon héritage. Marcus, fais-le sortir d'ici. Allez, sors-le d'ici. Quel connard. Faire partir Léo. Il va essayer de me taper. Écoutez, vous devriez partir avant que ça dégénère. Tout ce que tu sais faire, c'est me dire de partir. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Je suis pas assez bien pour toi? Je suis pas parfait, comme cette saloperie? Ça suffit, tu t'en vas maintenant, allez, va-t'en. Et qu'est-ce qu'il a de spécial, hein? Qu'est-ce qu'il a de plus que moi? Laisse-le tranquille. Oh, je pensais qu'il allait tomber, ça va. Dans le ventre. Marcus, ne te défends pas, tu m'entends? Surtout, ne fais rien. Vas-y, cogne-moi, qu'est-ce que t'attends? Tu te prends pour un homme? Sois un homme. Arrête. Qu'est-ce qui va pas? Tu fais ta trouillarde? Arrête! Léo! T'as Arrête. Trop peur pour te battre? Espèce de fiat! Oh là là! Oh là là! Oh là 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 là! On n'a pas le choix en fait. Mais pourquoi j'ai... Ah mais si j'avais le choix. Non mais j'avais pas le choix. Ah non j'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. Mais je peux ne pas lui péter la gueule quand même. Oh non mais... Ah j'ai eu peur. Non il faut juste esquiver là. Esquive ses coups. Faut pas taper, il faut esquiver. J'oubliais, t'es pas une vraie personne, t'es qu'un putain de morceau de plastique. Non, Léo, laisse-le tranquille. Je vais te détruire et je serai enfin seul avec mon père. Je vais te réduire en miettes et personne n'en aura rien à foutre. Tu sais pourquoi? Parce que t'es rien. Tu m'entends? Tu n'es rien. Tant que je suis pas violent, ah mais il me tape quand même.
Il fait une crise cardiaque, lui. Faut pas que je sois violent, parce que si je suis violent, ils vont croire que c'est moi aussi qui ai tué Carl. Non. Et allez, la crise cardiaque. Sont des machines fragiles. Carl, ne partez pas, s'il vous plaît, ne partez pas, ne me laissez pas. Souviens-toi, Marcus. Ne laisse personne te dire qui tu es. Non. Non. Père. Non. Je vous en prie. Tout ça, c'est ta faute. Sans toi, rien de tout ça serait arrivé. Qu'est-ce que tu racontes ? C'était complètement fou, quoi. L'androïde, c'était l'androïde. Oh non ! Oh quoi ? Ah ouais, mais là, quoi. Oh là 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 là. Oh là là. Ah, il y avait bien un choix dissimulé. Aller dans l'atelier avec Carl ou sans Carl. Oh, Carl n'aurait jamais dû venir. J'ai envie d'exploser mon écran. Putain, je le savais. Mais en fait, il serait venu... Non, il serait venu lui-même. Il serait venu lui-même. Obéir à Carl. Non, il serait venu lui-même. Il aurait juste eu les boules que je l'ai pas écouté. Moi, je pense, dans tous les cas, je me serais fait éclater. Parce que là, Léo accuse Marcus, et l'autre truc, ce serait quoi ? Ce serait, bon, bah, tout le monde est mort par terre, il y a que moi qui est debout, forcément. Je vais pas dire qu'ils sont entretués, c'est des vieux, quoi. Enfin, l'autre, c'est un vieux, donc... Ah ouais, je pense, dans tous les cas, je me fais arrêter. Aller dans l'atelier avec Carl, comme 72%. Obéir à Carl, comme 53%. Donc la plupart, on obéit à Carl, quoi, ouais. Je pense que dans tous les cas, je me serais fait arrêter, c'est sûr. Ou pas, en fait. Mais bon, quand même, le respect, s'il vous plaît.